24 soldats maliens ont été tués ce dimanche dans une attaque imputée aux djihadistes dans le centre du Mali. C'est ce qu'a annoncé l'armée ce lundi. Un convoi militaire composé d'une douzaine de véhicules a été attaqué dimanche dans la localité de Boukaouéré, au sud-est de Diabali, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne, a rapporté un responsable militaire sous couvert d'anonymat. Une partie des véhicules a réussi à se soustraire à l'assaut, mais sur les 64 soldats qui se trouvaient dans le convoi, seule une vingtaine répondent à l'appel, a-t-il ajouté, sans chiffrer le nombre de morts. Des recherches sont en cours pour connaître le sort des soldats portés disparus. Il s'agit de la dernière attaque en date des opérations meurtrières attribuées aux djihadistes contre les forces armées du Mali, mais aussi des pays voisins. Le pays est en proie depuis 2012 à une crise profonde qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés.